Je ne suis absolument pas d'accord sur ce type d'interprétation, c'est mon interprétation en tant que spécialiste pour le Parlement européen, de l'opinion publique. C'est complètement différent. La question n'était pas celle-là, la question était celle-ci. Ensuite, nous en reparlerons cet après-midi dans le cadre du Working Group où l'UNDEF sera également. Dans notre dernière enquête, justement, sur les Européens à deux ans des élections, vous l'avez cité, Mme Podimata, je vous permets de revenir dans les chiffres, parce que la notion de démocratie, la notion de ma voix compte, la question sur le membership, l'appartenance ou non, est très, 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 très importante. Et que nous a démontré notre dernière enquête, c'est que le concept démocratique, la notion même de démocratie est très importante chez les Européens, puisque quand on leur demande, alors nos politiques, vous venez de le reconnaître, ces contradictions et cette prise de conscience, c'est pas étonnant que dans les régions les plus touchées par la crise, comme l'a dit Mme Podimata, on ait les réponses les plus, je dis les moins positives, puisque la question, encore une fois, est placed, ok. Donc, nous en redébattons cet après-midi, mais quel est le moyen, on a demandé aux Européens, quel est le meilleur moyen pour voter, pour faire entendre votre voix? Et vous venez d'en parler, madame, c'est très important. La réponse est voter aux élections européennes 57%, et vient ensuite, mais très très loin derrière, et ça c'est peut-être intéressant pour le futur, utiliser l'initiative citoyenne 29%, et en troisième point, écrire un nom de député 19%. Donc, oui, c'est pas étonnant, mais en même temps, quand on replace, et vous pouvez reprendre notre enquête qui était dans un contexte déterminé avec des questions déterminées également, les Européens croient en la démocratie européenne. Ça, en tout cas, elle est en panne dans les États membres, elle est en panne au niveau européen, elle est insuffisante, mais ils y croient. Voilà. Alors, donc, il faut aussi peut-être donner un petit message de conviction et d'espoir pour les prochaines élections. Mais nous en reparlerons cet après-midi. Merci. Le comité des réformes sur cette carte chez une surprise.